Ouais. Alors, je Je crois vois qu'on un a un bug bug, mais là. on m'entend en double. Est-ce Est-ce que vous que vous pourriez me pourriez me confirmer? confirmer? Ouais, on Ouais, on m'entend en m'entend en écho, écho. quoi. Alors attendez, je vais régler le souci. Ouais, Ouais, il y en a d'accord. qui m'entendent en double. Alors attendez. Et là, non, toujours le même bug. C'est quoi cette merde? Et là? Non, là normalement c'est bon, vous m'entendez plus en double. Normalement c'est bon. J'ai réglé le souci. C'est tout bon. Ok, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, programme chargé. Quelle introduction! Le doublage québécois Dragon Ball, c'est fou, hein. Je l'adore. Je l'adore. J'ai enfin rattrapé tes rediffs de Dark Souls 2. Je peux enfin suivre ton live. Et ça fait du bien. Bienvenue à toi, Sébastien. Alors aujourd'hui, programme chargé. Fin du DLC 2. Et on va faire deux boss optionnels si on a le temps. Que j'ai raté. Qu'est-ce que j'avais déjà? Bah ça. Ok. Et puis, on va continuer. Pour ceux qui n'étaient pas là, écoutez. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fini le DLC 1. Qu'on a fait le triple boss. Et du coup, on a commencé le DLC 2, qu'on va tenter de finir aujourd'hui. Ils se foutent de ma gueule là, à côté, hein. Y a des gens qui rigolent. Salaud! Merci Shinrak TV pour les 300 bits. Et Bad Flints pour le deuxième mois. Ça sert, hein, le doublage québécois. Sachant que... Alors, je sais pas si dans le lot, parmi vous, il y a des gens qui étaient là... pour le live où j'avais montré le doublage portugais... de Dragon Ball. C'est quelque chose. C'est quelque chose... Je vous le remontrerai un jour. Alors attends, c'était quoi? C'est l'anneau. C'est ça. Sous abyssal. Bon, alors explorons cette zone. Apparemment, il y a un boss là-dedans. Sans me spoil, un pote m'a dit qu'il y avait un boss optionnel que j'avais loupé ici. Et un boss optionnel que j'avais loupé dans la forêt des géants. Je vois rien. Ça commence bien, je vois que dalle. Bienvenue dans les abysses. Ah, tu vois, allez. Allez, c'est bon. J'ai failli tomber. Allez! Il y a des trous partout. À l'aide. D'ailleurs, je me demande si... En arrivant depuis les autres endroits, on arrive à d'autres endroits ici en fait. C'est... Alors, je leur enlève rien. Je leur enlève rien. J'enlève que Chi. J'enlève que dalle. Faut que j'encule celui-ci. Ok, c'est bon. On joue Poussy. Mais on joue intelligemment. Ah, et puis il y en a un autre en plus. Ouais, compliqué là. À mon avis, je vais juste rush. Ça sent la zone où je vais juste rush. Parce que là, il y a un gros truc là. Oh! D'accord. Bon, c'est quoi cette zone de mort? Attendez, mais il est tombé l'autre? Il est où le mec avec l'arc? Il est tombé ce con. Je crois. Ok. Bon, c'est quoi cette zone de mort là? Je n'enlève rien. Le gros l'a poussé. Ah bah c'est magnifique ça. Attendez, je peux allumer un feu ici. Ouais, je me demande si en arrivant via les autres endroits, on arrive à d'autres endroits. C'est pas très français, mais bon, je me comprends. Parce qu'en fait, il y a trois téléporteurs qui amènent dans ce monde.
On va voir. On s'échauffe avec un petit boss. Si du moins on le trouve. Et après on continuera le DLC. Shinra TV, c'est le prince quand même. Il arrive, il te fait des dons, et il parle jamais sur le chat. C'est le prince du Qatar mystérieux. Attends, laisse-moi recharger mon truc. Voilà, maintenant t'es mort. Ça va et toi, Zephyr? Pas de vase pour le moment. J'espère que je n'ai pas trop désappointé. Oula, alors attendez. La manette déjà se débranche. Alors, il y a un truc que j'ai pas rodé. Je crois qu'il y avait une brume ici, elle vient de disparaître. Bon bah écoutez. Advienne que pourra. Ah, je regrette. Ah non. Non, non, c'est ça qu'il fallait faire. Ah. D'accord. Young undead, let us see. You have what once, but slowly. It is we who will be pilgrim. Qu'est-ce que tu vends? Ah, tu vends des effigies humaines quand même, hein. D'accord, pas de boss à l'horizon, je suppose qu'il faut aller dans les deux autres. Bon, on va faire ça. Alors, attendez que je me rappelle. Il y en a un au château de Drangleic. Ah, il y en a un au château de Drangleic. Par contre, l'autre, je sais plus où il est. Bois de l'ombre, château d'Anglique. Où est-ce que je l'ai vu l'autre? Je l'ai vu il y a pas longtemps en plus. Ouais, puis c'est pareil, regardez, il y a une zone que j'ai pas découvert ici. Là vous voyez, il y a une zone que j'ai pas trouvée. Ça m'intrigue. Merci Daxman pour le moi, j'allais dire. Non mais attendez, pour le sub. Ouais, bizarre cette zone qui me manque là. Ouais, c'est étrange. Et du coup c'était là. L'autre il est pas évident à trouver, mais je les ai tous trouvés en fait. Je tombais sur les trois. Oh là, oh là, oh là, Ultravac, merci pour les deux primes. Il y a un bug, pourquoi je vois qu'il m'a donné deux primes? Ultravaluk. Et Shinrai encore pour les 200 bits. C'est parce que je suis au boulot et je suis sur l'hôtel. Allons, allons. Donc je crois qu'il... Merde. Oh, il est là. Il est là. Le troisième, je sais plus où il est. Et je sais qu'on l'a trouvé, hein. J'ai trouvé les trois. Il faut absolument que je me rachète des gemmes de vie. Hein. J'en ai plus beaucoup. Il faut que j'en trouve absolument. Alors, pourquoi tu n'allumes pas le truc? Faut que je te donne une effigie humaine, c'est ça? Ouais, ça doit être ça. Ouais, à tous les coups, c'est ça. Allez, let's go. Ah mais je garde pas la torche allumée. Ah merde. Attends, c'est... Oh, c'est du vide ça, putain, j'allais aller dedans. Ah. Ah ouais, là on tombe. Ah. Bah alors ça fait pas du bien ça, hein. Pas d'ennemis? Étrange. What?
Ah, c'est malin ça, bravo. Bravo. Merci la cascade. Là, je suis obligé de gâcher. Oh, tu me diras, je m'en bats les couilles. Allez. Merci Zephyr pour les subs. Ah, super, un Avel. Manquait plus que ça. Ah oui, d'accord, ok. Ça sent la mort, hein. Ça sent la mort. Alors, est-ce qu'il y a moyen de te faire tomber, toi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait, mon perso, là? Oh. Il a fait le contre-bouclier alors que je lui ai pas demandé. Bon, my bad. Je voulais le taper. J'ai pas pu. Ah, et du coup, je dois redépenser les figies humaines. Oh, frérot. Maintenant, je suis ton disciple. Tu pourrais me faire cette fleur. Je pense que je vais rush. Je vais voir si ça passe. Parce que le but étant d'allumer les torches, je pense que je vais juste rush comme un gros porc en ignorant l'ennemi. Si c'est possible, du moins. Oh putain, j'ai failli tomber. Il manquait plus que ça, un Avel. Thank you Dark Souls. Non mais je sais pas, j'ai fait la parade alors que je voulais pas la faire. My bad, j'ai dû faire une mauvaise manip. Le mec il essaye de défendre le jeu, tu sais. Alors est-ce que je peux rush? En m'en battant les couilles. Ah ben non, je dois les buter. Je dois les buter. Ok, il y en a un qui tombe, parfait. Alors, on va essayer de les faire tomber. Pardon? Non mais monsieur l'arbitre, il a mis une mitraillette dans son pommeau d'épée. Il est énervé lui. Oh putain, ce qu'il m'a calé lui. Qui m'a calé dans la gueule. Bon, au moins on a notre réponse. Il suffit de buter les ennemis plutôt que de rush comme un gros porc. Non, je veux pas. Par contre, tu vas me niquer toutes mes effigies humaines là comme ça? Ça, c'est un peu problématique, mec, je t'avoue. Il m'a déchiqueté la gueule, le monsieur là. Alors à mon avis, on va y passer un certain moment. Avel fait très très mal. Est-ce que je peux l'enlever ça? Oh, je peux l'enlever ça. Me dis pas que si je l'enlève, je vais crever. Ok, c'est bon. Allez, essayons de buter Avel. On va jouer bourrin, hein, comme un gros porc. Ok, il est là, l'autre enfoiré. Ah, et du coup, l'autre personnage est mort. Il revient pas. Il ne revient pas.
C'est agréable ce petit bruit, j'aime beaucoup. Bon, j'allume les torches, hein, admettons. Je suppose qu'il faut les allumer dans les trois... aux trois endroits. Parce que la brume était là, hein. Ah non, je dis peut-être une connerie. Non, 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 la brume n'était pas là, je crois. Voilà, c'était là. Effectivement, on a raté ça là-bas. Alors... On va mettre tout en œuvre pour l'enculer. Ah, tu t'y attendais pas celle-là, hein? Eh ouais, mec, je dis je joue fort, c'est en fait... Non, j'ai de la foudre. Allez. Ah, j'ai oublié de mettre l'anneau. Ok, ça passe quand même. Ok. Allez, plus qu'un qu'un portail. Je viens de me rappeler qu'il était près d'une porte en pierre. Et je crois que c'était soit le ravin noir, soit le puits. Mais le puits n'aurait pas de sens en fait, je vais aller au ravin noir. Et tu vends plus de trucs ou pas? Ah, t'en vends encore une. Ok. Ça n'aurait pas de sens en fait parce que le puits, je viens de me rappeler de sa structure. Je viens de me rappeler qu'en fait, derrière la porte en pierre, il n'y avait que trois coffres. Il n'y avait pas d'autre chemin, dans mes souvenirs. Donc c'est soit le ravin noir, soit... Bah non, les bois de l'ombre, on l'a déjà fait. Donc je pense que c'est le ravin noir. De toute façon, si c'est pas le ravin noir, j'irai au puits. Hein. C'est pas un drame. Salut, Primatech. Non, je veux pas ça. C'est quoi ça? Ah mais tu, depuis le début elle vendait un sort qui nous permet de nous soigner. Ouais mais nous on mange pas de ce pas là nous. Ah nous. Voilà 32. Ça va nous mettre bien ça. Et du coup on va aller au ravin noir si je le retrouve. Là. Comment on accède à la porte de pierre? Je sais plus. Je crois qu'il faut tomber d'une... Il faut tomber d'en haut et non pas tomber d'en bas. Se soigner pour les faibles, évidemment. D'ailleurs, je vais tout de suite enlever la fiole d'astuces de l'inventaire. Non, pas du tout. On serait perdu. On serait perdu. Si je me rappelle, c'est là que j'avais chopé la clé pour l'un des DLC. Je trouve que les gens sont un peu durs quand ils disent que cette zone est à chier là. Enfin, j'ai vu des gens me dire que la zone était hardcore, au final elle est très courte et très linéaire. Je trouve le sanctuaire d'Abana beaucoup plus dur. Perso. Après le sanctuaire d'Abana, on n'a dit que du mal. Au final on y est mort que 3 fois, et la zone était plutôt jolie. Ah ouais, ça commence. Ouais. Ça y est, ça commence. Alors faut que je trouve l'endroit d'où tomber. J'attends que le poison baisse. Ah tu vois, il m'a encore tiré dessus ce bâtard. Et merde. Ma petite clé mort qui prend cher pour rien. Ah, ah what? Ah d'accord, je peux pas te taper toi. Je ne peux pas te taper. C'est quoi cette hitbox là, monsieur l'arbitre? Eh ouais, monsieur l'arbitre. C'est quoi cette hitbox, monsieur l'arbitre? Là, il y a une main. Je peux pas l'avoir, lui. Pas de main ici? Non, c'est bon.
Alors elle, faire gaffe, c'est le premier coup qui fait mal, mais après ça pue du cul. Il vient te battre. Attends, on dirait les mains de Zelda, quoi. Encore ? Ça, j'ai oublié ça. Bon, après, eux, ils sont impressionnants, mais c'est pas non plus les mobs les plus compliqués. Ah, c'est là. C'est là. Je crois que c'est là. Je ne sais pas. Ouais, c'est là. Non, le coup des socs, je le fais souvent. Tu rigoles. Le coup puissant, je le fais très souvent. Après, je préférais le coup puissant de la clé mort dans le 1, moi. Attends, mec, j'ai pas mon anneau. Hein. Fais pas le con. J'ai pas l'anneau. Parce qu'on se rappelle très bien ceux qui étaient là pour ma run Dark Souls 1, ce qui s'est passé. Quand j'ai oublié de mettre un anneau qui me permettait d'aller dans les abysses. 4 rois, on l'a pas atteint de la plus belle des manières, si vous vous rappelez bien. On avait oublié un petit anneau. Et ça nous a bien cassé le cul. Je sais pas si ça vaut le coup en fait de le mettre ce truc. Bah ouais, en fait je pourrais pas rentrer sans ça, je pense. Je ne sais pas. Je ne sais que dire. Dans le doute. Bon alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est le dernier portail. Alors il y a un mec en bas. On peut peut-être le canarder d'en haut là. Bah alors on est en fatrol. Ah puis... Ouais, il y a un monsieur qui est pas content là-bas. Ah, il s'est soigné. Un pyromancien, on aura tout vu. Encore un vieux gars qui utilise le feu au lieu de la foudre. Ça c'est pas triste, messieurs dames. Ah, j'ai pas pu le backstab. Alors il y a un mec. Oula. Il y a du monde là-dessous là. Il y a de la filouterie là-dessous. Putain, j'ai plus mon épée. Putain, je vois rien. Et en plus, il te met bien bien des cascades pour éteindre ton feu. Je peux t'attendre, toi? Ouais. Je suis pris une patate de fourrin, ouais. Je me suis bien fait enculer. Alors. On peut aller à gauche et à droite.
Parfait. Ok, on a les trois feux d'allumer. Je sais pas si c'est ce qu'il faut faire pour atteindre le boss, mais j'ose espérer. Putain, y'a encore un mec avec du feu. Aïe 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 aïe. Oh, bien joué. Oh là là, hé hey. Oh là là, il est agile le bonhomme, hein. Mon record de dégâts sur Elden Ring. Il y a vraiment des gens qui font attention à ça. J'en sais rien, je saurais pas te dire. Pour commencer, il faudrait que j'en ai quelque chose à foutre de mon record de dégâts. Zephyr, est-ce que ça t'intéresse vraiment? Tu préfères pas qu'on pète des pots? Zephyr. Mon record de dégâts sur Elden Ring. Bah attendez, y'a un truc là, non? Bon, tant pis. Ah, mon record de pot cassé. Oh, je dirais 40. Vous voyez ce moment dans Ocarina of Time, juste à droite, avant de rentrer dans la citadelle d'Hyrule? Il y a un marchand qui a plein de pots. Ah d'accord. Donc ça commence direct, quoi. Alors, comment je vais l'appréhender, lui? Il m'a l'air un peu... Alors ça va exploser, hein. Ça va exploser. Qu'est-ce que tu fais? Alors. Alors on lui enlève pas grand chose. Ouais, puis fait un peu mal bonhomme. Hein. Ah oui, c'est. C'est un site quoi. C'est un site. Ah oui, c'est Freezer, quoi. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est... Ah oui. Ah! Ouais, du coup, ouais. Ah oui. Ah oui, d'accord, le mec se dédouble. Ah, ça va être problématique, ça. Salut, je ne sais pas quoi mettre. Et merci pour le Prime, Xislex, je n'avais pas vu. Ok, ok. On va aller là, hein. Ça sera plus rapide de l'atteindre à chaque fois. Le mec se dédouble. Problématique ça, problématique. Je vais mettre un anneau qui résiste... comment dire, à ces dégâts. Ça m'a l'air d'être de... des dégâts ténèbres ou des dégâts magiques.
Toi, je t'avais oublié. Ça m'a l'air d'être magique, ténèbres ou feu. Je ne sais pas. Merci pour le prime, Kilik. Bah déjà, de toute façon, il me faut mon anneau quoi qu'il arrive, je crois. Par contre, mon frérot, dis-moi que j'ai pas à repasser la zone là quand même. Sinon, ça va être problématique. Alors, je peux rentrer sans l'anneau ou pas, monsieur? Ah oui, je peux, hein. Alors, dis-moi que je dois pas me retaper la zone quand même. Ce serait un peu chiant. Ah, c'est très très chiant. Ah, c'est très très chiant de se retaper la zone. Ça va être très chiant. Ça, c'est vraiment nul pour le coup. Ça, c'est ultra chiant. Faudrait que je retourne sur l'autre zone, elle était plus simple du coup. Ah, puis tu dois taper une effigie humaine. Oh là là, frérot. Pff, quelle horreur. Ah, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Ça va être très très chiant. Ouais, ça pour le coup c'est complètement nul. Ça fait plaisir de devoir faire Dark Souls 2. En même temps, tu l'as bien dit que tu allais finir la trilogie des Souls depuis ce que tu as fini, ce qui est en plus, tu as fini Elden Ring. Bon, j'ai compris, mais voilà. Ouais, après je ferai Bloodborne. Bon, après, je ferai d'abord Demon Souls, je pense. Mais on les fera tous. On les fera tous. Ouais, c'est casse-couille. Vraiment, de se retaper tout, c'est vraiment chiant, je trouve. Oh. Ouais, problématique. Ouais, c'est pas très cool. Tiens, j'ai l'impression qu'en le tuant, lui... J'ai l'impression qu'on baisse leur défense. Peut-être que je dis de la merde. Il va être compliqué ce boss quand même. Hein. 2 contre 1, c'est un peu compliqué. Et je pense que si je recrève, je prendrai une autre, un autre endroit parce que celui-là est un peu compliqué. Alors. Qu'est-ce qu'on pourrait tester? Alors moi je dirais ténèbres. Feu ou ténèbres? Ah, on va tester ténèbres. Ou alors je mets les deux, mais j'enlèverai plus rien, quoi. Ah putain, j'hésite. Tu sais quoi, j'ai envie de tester... En fait, la magie me semble être un bon compromis entre les deux. On va voir. On va tester. On va tester. Bon, par contre, c'est très compliqué hein, quand il se dédouble. Ah oui, on en est là quoi. D'accord.
D'accord. Donc, on part sur ça, quoi. D'accord, d'accord. Attendez, ça fait v'là les dégâts, la foudre, là, là. Ah oui. Oh, les dégâts de la foudre. Oh non, il a pas lock, Fabio. Il est où, l'autre? Ah, ça va être dur, hein. Mais même en esquivant, tu te fais enculer la gueule. Même en esquivant et en courant, tu te fais enculer la gueule. Bon, ça a pas l'air d'être la magie, hein. Je prends très très cher. Même en courant comme un gros porc, tu te prends l'explosion, quoi, putain. Je vais essayer les ténèbres, du coup, ça n'a pas l'air d'être la magie. C'est qu'une question de temps, hein. On va on va réussir. Je vais essayer les ténèbres. Bah ouais, les ténèbres, c'est de la magie, ouais. On pourrait se dire ça. Allez, meurs. Mais il est prenable, hein. Puis d'ailleurs, attendez, je vais me permettre un petit quelque chose. Non, c'est pas ce que je voulais faire. On est bon pour retourner au feu. Si du moins le jeu me le permet. Voilà. Par contre, la clé mort ne fait pas beaucoup de dégâts, je trouve, sur, sur ce boss. Ça m'a pas l'air bien, bien fou. Je dois encore caler une effigie humaine, hein. Heureusement qu'on en a beaucoup. Alors dans mes souvenirs c'était un peu plus simple ici, je sais plus. On va voir. Allez. Alors attendez, parce que je ne sais plus si c'est si simple que ça. Ah oui, non, c'était pas du tout simple. Non, 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 je m'en rappelle. C'était pas du tout plus simple. Non, je pense que je continuerai à aller au château de Dangleic. C'est absolument pas plus simple. Ah oui, non, non, c'est pas du tout plus simple. Là, tu viens ou pas? Allez. Il est chiant, lui, hein. Oh, toi, t'es chiant. Oh, putain. Je vais regarder le chat. Ça a failli me démolir. Il y avait rien là-bas, hein. Perso, je suis un mage au corps à corps. Ça, c'est bien, ça. C'est très sympa comme gameplay.
Alors, on recule. On laisse les batteries se recharger. On recommence. Bon, 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 bon. On va essayer les ténèbres. On va essayer ça. Je pense que c'est bien. Et puis on va garder les lances de foudre pour quand ils seront deux. Je ne sais pas. Ça, c'est assez simple à éviter en vrai, mais... On fait voir les dégâts qu'on lui fait avec la foudre. Alors, on lui fait moins de dégâts. Hein. Alors comment on pourrait esquiver ça? Ouais, je n'y arrive pas. Après, j'ai l'impression d'avoir pris un tout petit peu moins de dégâts. On a peut-être vu juste en prenant ténèbres. Après, ces patterns sont assez longs. Oh, l'ultra instinct, ma gueule! Bon, clairement, il était pas si dur que ça en vrai. Je pense que c'est moi qui ai pas joué de ouf. Les patterns étaient assez clairs et longs. Bon, en tout cas, si je ne m'abuse, musique unique. Vas-y, merci. Je sais pas pourquoi, mais de rien. Mais la musique était sympa. T'avais l'avantage de jouer foudre aussi. Oui, c'est ça. Et ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein. Oui, c'est le niveau, c'est l'arme, oui. Oui. Je vais continuer du coup le DLC 2. Hein. On va partir sur ça. Merci Dams pour le troisième mois, merci beaucoup. Ok, plutôt content, ça fait un boss de tuer. Mais c'est qui ce vieux? C'est le professeur Xavier. Tu joues avec l'écran allumé aussi, normal que tu y arrives. Désolé les gars. Je me bande les yeux. Allez, c'est parti. On va jouer sans rien voir. On avait testé une run no manette, pour rappel. Qu'est-ce qu'on fait, DLC 2 ou l'autre boss optionnel qui est du côté de la forêt des géants? Bah, vous savez quoi, on va faire le DLC 2, allez. C'était quoi ça déjà?